Justement, moi, ça m'a interpellé sur... on a bien compris le parcours, le côté, il fallait fendre l'armure, il fallait être de plus en plus sûr de soi. Et vous dites, ma mère, je l'appelais l'horreur, mon père, paillasse, ma grand-mère, le boulet. Non, mais c'est quoi? Non, attends. Alors, ça, c'est pas Télé 2 semaines, Dominique, c'est VSD. C'est en pif, ça. Ça, c'est VSD. Ah, c'est en pif, il avait pas eu le gadget, il était énervé, ouais. Non, c'est amical, ça. D'accord. Jeune descendant en master, ouais. J'appelle Rouillou Ecclésias. Faut me demander pourquoi. Ouais. Non, mais c'est pas une blague. Ah, c'est le rire de mademoiselle. Ah oui. Non, ça, c'est sans... Ah, mais je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il a eu un... Attendez, il y a quelqu'un qui a un rire. On connaissait le rire de Dominique Farrugia. Battu, là. Alors, de loin. Qui a ce rire-là dans le public, là? C'est dommage. Madame Rose. C'est la dame en rose. Ah oui, Dominique Farrugia est battue. C'est énorme. Dans une salle, ça, on rit beaucoup dans le spectacle de Pierre. Ça coule, ça tue un spectacle. Venez pas nous voir. Venez pas. Ah oui, c'est un handicap majeur, ça. Ça tue un spectacle. Là, c'est le rideau, là. Ah, Dominique avait le rire comme ça, un peu d'otari, très, très, très élevé. Non, mais j'ai pas de rire d'otari. Non, c'est pas possible. C'est énorme. Ce soir, on est un peu... C'est frics, un peu, ce soir. Christophe, avec son physique... Mais faut la... Tu t'en prends une autre sur le coin de la gueule, quand même, au passage. Non, mais... C'est bien d'envoyer voir des gens qu'on n'aime pas. Bien sûr. Je vais prendre votre numéro, madame. Il y a deux, trois mecs que je vais envoyer. Il y a deux, trois comiques que j'aime beaucoup que je vais envoyer. Les mecs, ça va leur niquer la soirée. Ouais, voilà. C'est énorme. 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 C'est la famille Pierre à feu. C'est le rire, tu sais, les rires dans les dessins animés, quoi, c'est incroyable. Rappelle les mecs quand ils, dans les dessins animés, quand ils partaient, qu'ils disaient... Va voir madame. Non, vas-y. Vas-y. Avec le rire de Dominique en stéréo, je vais pas pouvoir y arriver. Ah, c'est énorme. C'est un zoo. Ouais, c'est un zoo. Ça... Mais madame, ça vous fait ça depuis toujours, hein? Ah ouais. Non, mais c'est pas un handicap, hein, c'est un avantage, ça. C'est génial. Moi, je vous invite au théâtre. Plein d'animaux. Génial. Attends. Oh là là. Et comment... Attends, t'imagines le nombre de personnes qu'elle rend heureux dans une journée, cette dame? Moi, ça me fait mal. Ma journée, en fait. Venez avec nous à table. Allez, venez. Venez. Assieds-toi. Bonsoir. Oh, je suis désolé, mais... Non, ça ne dérange pas. Oh non, pas du tout. Faites un bisou à Christophe. Elle va la mettre au milieu. Elle va la mettre au milieu. C'est le... Alors là... Ça va aller. Premier juré. En même temps, c'est le meilleur moyen de la neutraliser. Hein. C'est... Mais il faut peut-être pas se moquer, non? On vous l'a déjà dit. Ouais. C'est comment votre prénom? Merci à vous. Dominique.
de l'eau, bois de l'eau. Vas-y, parle, elle boit. Je ne sais pas. On n'entend plus, mais il va décéder. Oh non. On a perdu Marco. Dominique, je ne veux pas me remplacer. Tu vas chanter, Christophe. Non. Tu vas plus y arriver. T'es fini. Anne-Elisabeth, viens me remplacer. Mais non, mais faut lancer la pub, Marco, non? Je sais pas. Ah non, on va pas lancer la pub maintenant, ça serait dommage. Bon. Dominique, des SMS. T'avais pas fait le zapping de... T'avais pas fait le zapping depuis quand? Ah ouais. Bah là, t'es dans le zapping de l'année, mon pote. Hein. Et vous faites quoi dans la vie, Nassim? Ah, merci, Laurent. Je travaille dans une banque. Vous prenez la banque, quoi, madame. Dans quelle banque? Non, on va envoyer, elle a une bonne idée déjà, on va envoyer la pub, non? Envoyer voilà. Quelque chose, mais ouais. On va envoyer la pub, non, Valérie? Bon. On envoie la pub. Voilà la pub. Tu me dis quoi, Valérie, par contre? Ah ouais, allez, non. On envoie la pub, on revient dans un instant avec Pierre Palma. On essaye. On essaye? Allez, après la pub et les pompiers, là. C'est la réa qu'il faut. Une dizaine de maquilleuses, ah, oui, oui. Tout ça. Et une chemise. Et une chemise. Et une chemise. C'est ce genre de situation, ça doit arriver souvent. Mais ça va, vous vivez bien, hein, ça. Franchement, c'est plutôt quelque chose de drôle. Non, mais c'est vrai que... C'est quelque chose qui doit se produire assez souvent, j'imagine, et dans une banque, c'est assez curieux. Putain, mais tu te rends compte, le mec qui arrive, qui fait la gueule, il a un découvert, il repart, il a un sourire comme ça, bah, c'est génial. Vous êtes d'utilité publique, Nassima, je vous le jure. C'est franchement. Vrai. C'est moi, je vous invite au théâtre. Non, c'est pas au théâtre. La pub, on est à l'antenne. On va partir. Mais comment? Ah non, en plus avec le rire de Dominique. C'est un cadeau d'avoir un rire comme ça. Ah mais je suis d'accord, c'est un cadeau. C'est magnifique. Ouais, mais enfin, imagine si vous travaillez vraiment dans une banque. Ouais. Comment tu veux qu'elle dise à quelqu'un vous êtes à découvert? Comme ça. T'as ta réponse. Mais tu peux pas. Le mec, il est content. Le mec, il a découvert, il est content. C'est terrible. Mon Dieu. Non, non. Mon Dieu. Il est un peu pénalisant pendant l'amour, c'est tout. Comment tu fais pour garder ton sérieux, Pierre? Là, j'y arrive jusque-là, puis là, j'ai... je commence à... Mais c'est pas des mots-clés, c'est tout le temps, hein. Quitte, Koukiki! On s'en lasse pas. Voilà. J'ai mal au ventre. J'ai épaté. Christophe, t'as été sauvé, toi. Ah oui, mais, fais revenir la prochaine fois que je viens. Parfait. Ça me... Vous revenez quand vous voulez, madame. Nous, on revient après la pub, à tout de suite.